Hello, Sofiane. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm good, thank you. On l'a fait en anglais ou en français? On a vu que tu parlais très bien anglais. Non, on l'a fait en arabe, c'est mieux. Là, je maîtrise moins. Non, bah voilà, je voulais vous dire qu'en fait, je reste à Lille. C'est une blague, en fait, ce week-end, c'était une vidéo gag. Donc, du coup, voilà, je continue l'aventure ici et vive les ch'tis et... Allez, chopper, hein? Non, je rigole. Vas-y, refais l'interview. Ça y est, t'as signé à Southampton. On imagine que tu es content et tu étais de passage ici à Luchin pour dire au revoir un peu à tout le monde, c'est ça? Oui, voilà, bien sûr, c'est important pour moi de dire au revoir à tous ceux qui ont contribué à ma progression. Donc voilà, je suis content, un nouveau défi, un nouveau challenge. Je suis très content de signer à Southampton. Mais voilà, je suis aussi un peu triste de quitter Lille, le club qui m'a permis de grandir. Et je voudrais aussi remercier tous les fans, tous les supporters qui m'ont supporté, même dans les moments un peu plus difficiles. Donc merci pour tout et bonne route. J'espère aussi que vous allez faire une belle saison et je suivrai ça de loin. Tu as passé des bons moments ici? Oui, très bons moments. Comme je vous l'ai dit, c'est un club qui m'a permis de grandir. J'ai quitté ma ville natale et là où j'ai grandi, Angers, pour venir à Lille. Et pour moi, les gens m'ont direct bien accueilli, ils m'ont permis de grandir, ils m'ont permis de progresser et aussi de devenir un homme. Donc pour moi, Lille, c'est une étape très 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 importante dans ma carrière et j'oublierai jamais ce que Lille a fait pour moi. Bon, ton plus beau souvenir, ton plus beau but sous les couleurs lilloises? Mon plus beau but, je pense que c'est le ciseau que j'ai mis au Gazélec l'année dernière. Mais après, voilà, honnêtement, j'ai beaucoup beaucoup de bons souvenirs et triste et content à la fois. Thank you and good luck. Thank you, boy.